Il y a plusieurs choses qui donnent de l'espoir. D'abord, de voir les jeunes se lever pour refuser la menace climatique et lutter pour de nouvelles politiques fondées sur la sobriété et le partage. Ensuite, le fait qu'il existe des entreprises qui, elles aussi, s'engagent. Je pense aux entreprises qui font partie de la Convention des entreprises pour le climat. Elles ne sont pas parfaites, mais leurs dirigeants ont décidé de se réunir pour construire des feuilles de route et se pousser les uns les autres à réussir à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à changer leur production. Il y a donc un certain nombre de choses qui sont en germe, des éléments qui, on peut le penser, vont fleurir pour nous permettre de réparer notre monde et d'aller vers une société plus désirable.